années 70. C'est là que j'ai commencé à faire de belles photos, enfin, à mon avis. Après, j'ai acheté le compact Sony, 5 mégapixels. Donc, c'était 6 mois. Et j'avais fait des économies au GSI. Et j'ai acheté mon premier appareil photo réflexe, un Canon 450D. Donc, à partir de là, petit à petit, je suis là en parallèle avec mes études. Donc, je suis en master de management d'intervention logistique. Normalement, je dois finir dans 2 mois. Et à partir de là, petit à petit, de gauche à droite, je mets Chouya. Je mets assez d'argent, je suis là, petit à petit, matériel. Bien sûr, je dis que ça coûte très très cher, donc, occasion. Bon, je vous montre déjà ces 5 mm. On dit un autre 24-105 en réparation de Casa et 70-200 un TS marqué. Dim pour laquelle en ce qui concerne les photos de la journée, c'est une blague. Je fais pas de vidéo, j'ai d'acheter la vidéo. Pour chaque objet, on a pris une photo différente. Pour chaque objet. Puis la photo, j'ai le modèle, tout là. Tiens, les ailes d'arrière-plan. Et pour chaque objet, j'ai une photo différente. Après, on les a superposées et on a effacé la personne avec un shutter. Tenez, le soir. Tiens, j'ai vu l'autre photo. Voilà. On prête ton joueur. Voilà, c'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, tenez, donc, la gomme Photoshop. On commence à effacer. Un seul domaine, par exemple la mode ou la photographie animalière ou la fumée. Moi qui n'aime pas, On peut la faire à partir de 2 photos. Quand on compte juste la 10 ou la 15, il n'y a pas de souci. Donc 2 photos, d'abord les je vais la photo de la présentation. Raw, notre de préférence.